Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Je dois vous dire quelque chose sincèrement. C'est le plaisir de vous retrouver qui embellit toutes mes semaines. Alors, merci à vous, très cher public, d'être avec nous. Merci. Comme promis, je dis encore nous venir ensemble avec psychosexologue, nous qui c'est docteur Justa Fort, pour nous continuer à parler de sexualité. Mais nous connaissons Jean-Lier, avant que nous entrer avec invité nous, on a une petite pause et puis on a tourné. Vous nous parlez de sexe, nous connaissons dans millénial, forme pothétique, si vocabulaire pour nous. Dans la rubrique découverte de mots, nous gagnons jeudi à deux mots qui c'est wingman et puis au face. Wingman, c'est ça nous connaissons dans la société, nous, commissionnaire. Ou un petit gengen là, une belle petite demoiselle, trop timide, ou bien par contre ça pour dire, et pour vous, les hommes, nous allons parler ensemble avec elle pour là, elle dit toute cause qui gagne. C'est ça, Aurélie. Wingman, c'est-à-dire moun ki déplacé à le causer pour moi, c'est comme ça li relé. Et lui a dit que le plus souvent son fille qui plus qu'a fait métier ça parce que lui-même li connaît qui ça pour di fiyan pour capable séduire. Donc ça s'écrit W I N G M A N. Deuxième mot c'est au face. Au face là, puisque nous parler de sexualité, c'est le visage que tu as pendant l'orgasme. C'est-à-dire les ou rivé Jean Mounio dia dans sexe soit fait donc visage ou bien des fois qui belle qui grimaçant je ne sais pas ça dépend de vous et bien oui il est au face ça s'écrit au trait d'union F A C E merci parce que tu permets moi enrichir vocabulaire. Chose due, on va recevoir l'unique, j'ai bien dit, l'unique psychosexologue de tout le pays, monsieur Justa Fort. Pas besoin de réitérer pour nous, c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous guérir ensemble avec nous sur le plateau millénial, non? Non, plaisir c'est pour moi. Bien, première question, moi remarqué que ce soit avec public moyen, que ce soit téléspectateur, yo, l'autre monde qui regarde l'émission sur YouTube, qui suivent nous sur Instagram ou bien sur Facebook. Quand il s'agit de sexe, comme si ouais, ce sujet ça n'a pas les bon excitation, bon intérêt, en curiosité, c'est quoi ce phénomène? Moi, quand j'utilise même ça, me dit, vous me définis sexualité dernièrement, c'est juste parce que la sexualité, c'est la vie. OK. En fait, nous intéressés à la sexualité, bien que il y a pile hypocrisie tout autour de la sexualité, nous n'aimons ça, ils veulent ça, mais ils pas veulent nous connaître, ils pas veulent nous voir que ils aiment ça, ils pas veulent nous voir que ils gagnent tendance ça. Et mais en fait, la sexualité attire parce que c'est une bonne chose. OK. Bon, mais c'est comprendre qu'on y a là parce que des fois, on voit publiquement un petit jeune mollo, mais on a parlé de sexualité, on parle en pile qu'a fait. Donc, puis, c'est intéressant et puis, aussi. Et puis, parler de la sexualité, excitant tout. Ah, mm-hmm. Et quand on est excité, nous avons tendance à bouger plus, nous avons tendance à. En fait, il paraît sous visage nous. C'est vrai. C'est vrai. Bon, merci pour éclaircir sur ça. Donc, je te dis, nous parlons parler de pornographie, nous parlons parler de monde qui a testé le monde, nous parlons parler aussi de sexe anal, de virginité, de musique. Nous parlons aujourd'hui, mesdames, parce que tout tourne là-dedans. C'est celle va et vient sectionner beaucoup ouais, seulement. Donc, c'est tout ça nous parlons parler pour nous compléter la deuxième émission nous gagnons sur sexualité. Nous pour entrer directement dans la pornographie. Il y a des gens qui relèvent l'agression psychologique pour les plus jeunes, des gens qui relèvent le stimulant. Donc, qui danger qui est capable de gagner les jeunes accro dans la pornographie? Moi, je voulais commencer pour me dire que la pornographie est créée dans l'objectif pour éduquer sexuellement.
Et qui ça qui pornographie? En fait, pornographie, c'est description en image. C'était d'abord en image. Après, vient une vidéo. Donc, vidéo tout rentré là-dedans. Mm-hmm. Mais au départ, c'était description en image de yon rapport sexuel ou bien des actes sexuels pour permettre que l'autre monde apprenne sur la sexualité. Okay. Donc, c'était une logique apprentissage à la sensualité, apprentissage et à la sexualité, apprentissage à l'érotisme que pornographie crée. Donc, là, on fait allusion avec Kama Sutra? On fait allusion à Kama Sutra et en pile l'autre document antique et ancien qui existait sous sexualité. Mm-hmm. Gagné même des gravures, yo jouen, non série de cavernes, non série de zones qui gagne rapport à la sexualité. Et côté que, yo te kon utilise image sa yo et gravure sa yo pour faire des initiations et à pour des timoun qui a sorti dans l'âge et timoun pour yo rentrer dans l'âge côté que yo pour le marier. Donc c'était document ça que yo te kon utilise, y a petit garçon mais qui jan mais qui ça pour faire pour bailler madame au plaisir, pour ba moun ko pour la vel la plaisir et yo di yo éducatif y a tout pour le connaître qui ça pour le faire pour bailler et marier le plaisir. Donc pornographie c'est pour ça que le crée. Donc faut d'abord nous dire ça parce que et moi-même par rapport à la formation, moi j'ai un cours de pornographie. Ça qu'a fait qu'on y a là, moi pas poussé reler le pornographie. Ah, ou t'as pas reler qui ça? Et par contre, son forme de par contre, une forme de bestialité. Ben, gagne des bons porno. Gagne des bons porno, mais ça qui arrive qu'on y a dans pornographie. Ça reler les bons porno, d'après eux même, yon porno qui instructif. Yon porno qui instructif. Par exemple, moi j'ai un professeur dans l'école de psychosexologie, monsieur Mark Weinberg, qui créait des vidéos, des images côté que même dans la clinique, il proposait des patients qui gagnaient difficulté de désir pour aller regarder, pour attiser désir parce que la pornographie c'est pas ça qu'a fait là non, la pornographie et j'aime ça définir là, li alimenter fantasme, li alimenter désir, li permettre que ou apprendre de l'autre bagaille, de l'autre position, de l'autre gens pour rentrer dans rapport sexuel. En fait, c'était ça la visée de la pornographie. Mais maintenant, ça qu'a fait là, non logique pour que acte sexuel là corresponde le plus possible à fantasme qui puis tordu que moun yo gagne. Donc c'est ça qui peut aller bail et naissance à ça que n'a gardé là que nous ta carré long forme de bestialité, une forme de bagaille non sens. Donc vous d'accord avec monde qui dit que c'est une agression psychologique pour les plus jeunes? Oui, il y a des scènes porno, il y a des scènes porno qui vraiment des agressions pour psychologie monde. Donc oui. Là maintenant, c'est où est le danger pour un jeune qui à quoi avec pornographie ça n'a pas gardé kounya yo? Moi pas même rivé dans limite à quoi, parce que ça rivé dans sexualité nous gagne des fantasmes. Mm-hmm. Fantasmes sont forme d'imaginaire érotique, des bagailles que n'a nourri dans tête nous, OK, qui alimenter acte sexuel là. Okay. Et acte sexuel là lui-même il pral vinn réalimenter fantasme. Par exemple, ou quand on rapport ensemble avec un monde, ou obligé râler une image de yon l'autre monde qui te fait plaisir, de yon l'autre acte qui te fait plaisir, juste pour qu'a jouer dans acte ça. Mm-hmm. Ça pas veut dire que monde ça c'est pas lig bon plaisir non, mais fantasme côté gain alimenter acte ça. Donc fantasme alimenter sexualité et sexualité alimenter fantasme. Maintenant ça crive, c'est que gain vraiment des fantasmes qui sont pervers, des fantasmes vraiment tordus, des bagailles qu'on pas foutu réaliser du tout. Et c'est yo même que réalisateur porno yo réalisé dans porno yo pour permettre que moun nan vinn pi proche de fantasme et pervers ça. Et c'est ça qui pral vinn créer tout problème ça autour de la sexualité. Maintenant ça crive, c'est que yo moun qui a plaidé garder porno ça qu'on y a là, li pral gagner difficulté pour lui à le faire dans la réalité. Bon exemple, par exemple, ou cap gardon porno, on est gars livre pizza pendant la livre pizza, moun ki vinn prend pizza nan men, li vinn prend toutouni, li tout. Et puis ensuite, il fait tous les bagages. Et puis ensuite, il fait tous les bagages. Mm-hmm. Mais ça très lent pour réaliser dans la vie réelle.
Donc ça pral vin fait moun nan penser à une sexualité facile, une sexualité tordue et li pral vle réaliser nan réalité a ce qui ne sera pas possible. Est-ce que ça ka mené nou à ça ou les viols là? Ça ka mené à viol, ça ka mené à une série de l'autre perversion, tant que des paraphilies, tant que utilisation des une série de objets qui pas fait pour sexualité, non sexualité. Donc tout ça yo, c'est des problèmes. Là, on pas même rentrer dans monde qui vient addicté, qui vient à quoi. Maintenant, ça qui vient c'est que monde là qui vient étant donné que il pas qu'à réaliser ça l'a regarder dans porno, dans réalité, il vient accro. Donc il vient fermer dans univers fantasmatique côté que c'est seul porno qui ca bal plaisir. Garder porno, masturber en imaginant ça qui passer dans porno et puis sexualité détaché de réalité. Okay. Donc, il y a une difficulté pour rentrer dans la sexualité réelle et il ferme tête dans la sexualité purement imaginaire, côté que c'est axe à que il a réalisé dans tête parle par une personne ou bien en quel contexte qui a permettre de réaliser et puis de réaliser là. Et c'est ça que vient faire, il ferme tête dans l'univers fantasmatique, il ferme dans le porno et que c'est seul porno qu'on a qui a vu by plaisir. Donc, est-ce que tu es capable de dire que pornographie, c'est une sorte de détox pour vie sexuelle, yon jeune qui en fait, c'est pas tout porno. Mm-hmm. Il y a encore des porno qui gagnent même objectif et éducation à la sensualité, exactement. Éducation à l'érotisme. Mais tellement gagnent un envahissement de et l'autre type de porno ça qui viennent l'ombrager. Porno qui a visé éducative là. Okay. Maintenant, faut qu'on ait qui type de porno qui vous éduquer ou qui type de porno qui ca permet tout et alimenter sexualité de manière saine et de manière efficace. Il y a un jeune qui pas de joindre par exemple éducation sexuelle la Kaili et puis qui décider pour lui éduquer tête li dans sens ça pour colle qui t'a fait par exemple ça ou diala. Trouver des vidéos comme Kama Sutra pour apprendre qu'on école, comment pour le faire, sensualité, tout ça. Donc, qui sont conseillés jeunes ça? Comment est-ce que le cas, les cas faire recherche ça? Comment est-ce que Libral identifier qui ont porno qui instructif? Parce que des Kama Sutra, qu'on voit qui plutôt, bah voilà, dit bestial, mais qui brut. Donc, non, il y a porno qu'on voit, c'est pas Kama Sutra. Non, mais est-ce que c'est parce qu'on met le nom pour tromper ou bien? Non, il y a pile distorsion au fait de Kama Sutra original là. Ok. A. En fait, il y a un monde qui a le Kama Sutra original là, il y a des traductions au fait qui plus ou moins fidèles. Ok, c'est des manuels d'éducation sexuelle que Kama Sutra a. Ok. Et différence qu'on pourrait le faire entre et contenu Kama Sutra et contenu porno actuel yo. Tout ton ouais que ça qui a décrit yo yo pire réalisable, ça veut dire que son porno efficace. OK. Maintenant, tout ton ouais que porno a c'est des bagailles qui on nous dit qui rete dans imaginaire que ou pral gen en pile difficulté pour réaliser dans la vie réelle, poser tes toutes questions sous lui parce que moi-même moi t'ai tenté faire étude ça pas t'ai vraiment abouti, moi pas t'ai joindre financement pour me définir. Moi t'ai commencé faire un travail sur écart qui gagne entre la sexualité réelle exprimée par les gens, donc que moun yo exprimé à travers un questionnaire qu'on a passé ou a parlé de sexualité yo, et puis c'est sexualité que yo vend dans porno. Ça que m'ai commencé ouais c'est que jeune fait sexe réellement c'est pas comme ça porno a présenté. Okay. Et c'est ça qui t'ai fait commencer penser que réalisateur yo utiliser fantasme qui pitot dur pour alimenter pornographie et c'est ça pour faire ouais que pornographie a un sens quête bagaille ça c'est pour bagaille monde. Yeah. Donc c'est ça qu'a fait oui. Yeah. Oui. Donc on y a un phénomène j'aime ça annoncer tout à l'heure dans musique haïtienne on a regardé kounia phénomène. Vous avez même parlé de musique sociale. Il n'y a pas besoin de question fille avec garçon. Faut que mesdames soient tout unies. Pratiquement, faut qu'on s'en piscine, faut qu'on cabane. C'est comme si mon c'est l'amour explicitement il a fait dans la vidéo. Qui sont comprendre le phénomène ça et puis qui est fait psychologique. Il est capable bien sous
jeune yo qui peut garder musique. En fait, là, nous vivons une hypersexualisation de la société et une hyper-exposition à des objets qui à objets qui traduit sexualité, bien que tout objet qui traduit sexualité, mais hyper-exposition, ça, elle est créée par qui ça? Marketing. Chita sous ça qui a attiré mon. Sous ça que yon moun wè qui pral fait que le catch un peu les tout à regarder. Et yon finit par remarquer que sexualité, sensualité sont éléments qui permettent attirer attention moun. Et ou te dit nan début émission, hein, c'est comme un aimant. C'est tant pour son aimant. Maintenant, le fait d'utiliser et que yon wè que ça marche, maintenant OK, ça marche. Mais ça que ça pral vin fait, le fait qu'on expose tout le temps à la nudité, à la sexualité, à la sensualité, ça vient drainer sensualité. Par exemple, il n'est plus étonnant de voir une fille en culotte. Il n'est plus étonnant de voir une fille qui a brassé elle. Et même moi songe, j'étais tout petit. On t'a regardé mesdames 4 par 4 yo. Yo te gen yo pas toutouni, yo te plein rad sou yo, mais c'était des mesdames qui étaient sexy, qui étaient gagné yon aura malgré que yo te gen rad sou yo, moins ouais qui plaisir que ça te kon produit. Maintenant sou on fille a danser avec un jean ou bien bagay sou li, premier li do pral gen a pour qui ça le pas te retirer jean là, pour qui ça le pas te retirer pantalon. C'est par rapport à hyper-exposition ça qui fait que yon fille qui a dans sa conduite, qui a crade sous lui, il vient pas attirer encore parce que ouais trois filles qui a dans sa culotte, trois filles qui a dans ses toutouni. Maintenant, quel effet ça a gagné sous sexualité moun, mais nous pouvons connaître. Ok. Donc, ok. Mais en parlant de pudeur, est-ce que nous sommes capables, après un certain nombre d'années, nous parlons d'une jeunesse qui sans pudeur ou déjà moun yon a dit amoral? Donc, est-ce que Kounia là, comment est-ce que vous pouvez faire pour remédier avec ça? En fait, est-ce qu'il faudrait vraiment remédier? Parce que d'abord, il n'y a pas joué une éducation sexuelle là, caillou. C'est pas un bagage qui est vraiment fait. Mm-hmm. Et puis, il est exposé à ce genre de trucs partout, n'importe où, toute journée. Donc, est-ce que ça ne peut pas le se dire à drainer l'éducation sexuelle? Il est supposé gagner. En fait, ça, c'est vrai que ça participe à ce que nous vivons chaque jour, ce que nous vivons tout le temps. Maintenant, il y a des gens qui ont une éducation sexuelle efficace. C'est d'abord les gens qui apprennent qu'on colle, les gens qui apprennent à comprendre qui ça qui fait effet sur lui, les gens qui apprennent à comprendre désir, apprennent à contrôler désir et apprennent à orienter désir. Donc, yon moun ki genye yon éducation sexuelle efficace, son moun ki ap gade un bagay comme ça, l'ap di waouh, ti fi sa fré, ti fi sa belle, oh, li gon belle culotte, ou du moins li gon belle bagay, sans que bagay la pa vraiment pousse l à yon acte. Et ça qui rive, c'est que hyper exposition ça, vin fait que tout bagay immédiatement accessible, et moi-même pensé que le gen yon lien avec rose de viol qui vient gagner. Exactement. Donc, garçon en pensé, le fait que fille a tout tourné tout le temps, le fait que fille a un culotte tout le temps, le fait que corps fille a immédiatement accessible, donc il peut s'en procurer, donc il a juste procuré de corps fille a de moins pensé. Moi, bien dit, okay, moins pensé que le gen, okay. Que le cas gen yon corrélation avec rose de agression, rose de viol qui a gagné. D'accord. Est-ce que il y a une différence entre les audi un monde pervers avec les audi un monde qui libre sexuellement la liberté sexuelle et puis la perversion? Grand pile bagay que yo te considéré comme perversion qui pas considéré scientifiquement comme perversion encore. Mhm. On prend le bon exemple. Par exemple, yo te considéré l'homosexualité par exemple tant kou yon sorte de perversion, yon sorte de trouble. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, juste considérer comme une condition qui est liée à un choix de l'objet sexuel qui est différent de généralement choix de l'objet sexuel que moun fait. Mm-hmm. OK? Donc, il y a un pile perversion qui a remanié, que yo a rewé. Mais il y aurait les perversions, il y aurait les perversions, il y a tendance
qui détaché de réalité, hein? OK, yon tendance qui nuisible et pour moun nan et pour l'autre moun. Par exemple, un sadique, c'est un pervers. Un masochiste, c'est un pervers. M'a pas expliqué. Yon sadique son moun qui prend plaisir dans souffrance l'autre. Par exemple, kawè gen des moun qui dans relation sexuelle avant, faut le kembe kou pour la touffer ou faut la frapper ou faut le sentir que ou a souffri. OK, ça son forme de perversion et il y a des moun tout qui prend plaisir là que yo même y a souffri. Donc faut que moun n'a frappé yo, faut que moun n'a bay au cou, faut que moun n'a fait yo souffrir pour yo prendre plaisir. Donc son moun qui prend plaisir dans souffrance propre pas. Donc ça son type de perversion. La nécro. Je sais que vous aimez ça. La nécrophilie, c'est une paraphilie que on considère comme une perversion, c'est moun qui prend plaisir sexuel avec des objets inanimés. Okay. Donc, il y a une poupée, il y a une nounours, il y a un morto. Mm-hmm. OK? Donc, ça, c'est des perversions. Mais la liberté sexuelle, là, c'est qui ça? En fait, la liberté sexuelle, il y a traduit par un épanouissement sexuel, côté que les gens connaissent la sexualité, il y a libéré, il y a parlé de sexualité sans gêne, il y a rentré dans un rapport sexuel sans gêne. Donc, ce sont les gens qui ont un niveau d'épanouissement, ce sont les gens qui ont un niveau de liberté. Par exemple, moi-même, je suis libéré sexuellement. J'ai appris à me libérer des jours de la religion, parce que je me lève dans la famille religieuse. Mais en fait, moi pas pas un problème pour me parler de sexualité, pour me jouir de sexualité et pour apprendre qu'on est qui tendance moins à la sexualité et puis jouir de tendance ça et puis et qu'on est fantasme moins faire la paix ensemble avec des fantasmes que me gagne, fantasmes qui ca réaliser, fantasmes qui pas ca réaliser. Tout ça c'est caractéristique monde qui libre libéré sexuellement. Bien. Si n'a pas entré dans cause virginité. Jodian, moi rencontré des monde qui dit que pour yo di un monde li vierge, faut li pas faire sexe dans vagin, c'est-à-dire faut il maintenant pas déchirer. Donc du coup, yo prend plaisir à faire sexe anal, OK? Et puis le fait que devant pas rien donc yo vierge. Donc c'est quoi vraiment la notion de virginité? Est-ce que c'est l'on pas faire rapport sexuel du tout ou bien ça a rapport directement avec le vagin? Moi-même, mes questions là, pour la simple et bonne raison que pour moi-même, les questions de virginité sont non-sens. OK. Pour moi-même, ils sont non-sens et je vais expliquer non-sens moyen pour me poser une question ça qui va expliquer non-sens moyen. Il y a un monde qui a 10 rapports sexuels déjà dans le vagin, il mène toujours là. À qui un monde qui pas aucun rapport, qui pas aucun pénétration vaginale du tout, il mène ni pas là, qui est ce qui vierge? Ah bon, je dois répondre à la question, je sais pas, je ne sais vraiment pas. Réduction question virginité à la présence ou non de l'hymen, pour moi-même, ils sont non-sens, parce que il y a des monde qui pas aucun rapport sexuel dans le vagin du tout, il mène n'en pas là, ou bien il mène n'en déchiré. Il y a des gens qui ont pile temps dans un rapport sexuel, ils maintenant toujours là. Dépendamment de qui profondeur ils maintenant est, de qui genre ils maintenant constitué, de tout ça. Et moi-même, dans tête pam, on pinceau son rapport sexuel. On moun qui font pinceau ou pas vierge, on moun qui font petit bœuf ou pas vierge. Moi, pas pour réduire la sexualité à la pénétration pénienne ou à la pénétration vaginale. Ou une pénétration par le pénis, yon moun ke yo inséré yon douet nan vagin ou pas vierge. OK. Parce que pour moi même la virginité c'est pas la présence ou non de yon membrane, de yon bagay que yo rele hymen, mais c'est est-ce qu'on rentre dans acte sexuel déjà? Et yon acte sexuel n'est pas réduit à une pénétration nan vagin. OK. Donc pour moi-même, c'est pas question hymen là ou bien hymen pas là qui pourra le faire une fille vierge ou pas vierge. C'est qui acte sexuel qu'on pose déjà. Déjà.
OK, très intéressant. Et si nous redéfinissons question acte sexuel là, c'est toute action qu'on pose ensemble à corps, à l'endroit du corps ou bien à l'endroit du corps, il y a l'autre monde pour jouer un plaisir sexuel. Donc, bon, et le plaisir sexuel n'est pas restreint à plaisir et génital. Bon, ensemble avec un monde fait des attouchements. Est-ce que si un monde fait ça, nous capable de dire que il n'est pas vierge? Se caresser le corps. Ah ben oui, on nous masturbe tout, baite tout. Comment on dit baite tout. Non, sans pas besoin de partir ça la donne. OK? Les moun yo a embrasser, yo caresser tête yo ou bien moun na masturbe sans pénétration avec le doigt tout ça. Donc ça veut dire que moun n'a pas vierge. Dans tête pam, si nous considérons définition large de la question de virginité, non moun ça pas vierge. OK. Bien, c'est très intéressant. Donc maintenant pour le sexe anal, nous connaissons que il y a un groupe à risque qui gagne dans la question VIH, c'est les ARSA, c'est des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Parce que nous avons invité qui c'est Madame Bertrand, qui sont médecins, qui a expliqué que pour qui ça, c'est parce que anus n'est pas fait vraiment pour ça. Donc le fait que il pas qu'à générer des liquides pour permettre la pénétration en fait bien. Donc dans l'acte là, il y a gagné des micro lésions qui sont capables de faire maladie à transmettre. Donc et même qui entend dans cas d'anus là, il pas micro tout là. OK. Donc c'est des lésions visibles. Micro lésion veut dire micro lésion qu'on pas kawé. Mais dans cas d'anus là, il ca visible côté que mon nan bay sang blessé normalement. Donc est-ce que vous même en tant que sexologue, est-ce que c'est un bagage ou encourager ou bien ou connaît qui gagnent un danger quelconque là-dedans que moun ta doit suspendre fait kounya sexe anal. Moi penser que le sexe anal on t'y crase même l'âge avec l'humanité. Eh bien, la pratique du sexe anal. C'est toujours là, presque. Ah ben oui, même genre avec ça nous relève la prostitution. Il y a même qui même dit que la prostitution est aussi vieux que l'humanité. Moi, je pensais que le sexe anal est presque aussi vieux que l'humanité. Ça veut dire qui ça? Il y a un phénomène qui est aussi vieux ou qui est presque aussi vieux que l'humanité, c'est pas un phénomène qu'on a éradiqué comme ça, bien sûr. Éradiqué comme ça. Et si nous songeons dans la Bible, et si on se donne et Gomorre, donc tu as gagné. Et c'est à partir de ça que y aurait les ça sodomie. Sodomie, bien donc sûr. C'est, et l'idée existait avant Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, c'était et paroxysme là, c'était ça qui était plus criant, plus frappant. Mais en fait, l'idée existait avant. Bon, pour dire que la liberté sexuelle au monde dépend de monde. Risque qui gagne dans pénétration anale là, c'est risque pour bail des maladies sexuellement transmissibles parce que li pi innervé. Même dit li pi innervé, ça veut dire que anus là gagne, c'est anus là c'est une partie dans corps qui gagne plus nerf qui alimente et c'est ça que fait après tout le monde qui fait sexe anal yo dit que li pi sensible, li pi doux, li pi agréable parce que li gagne pile nerf là-dedans. Et le fait que li gagne pile nerf là-dedans et que son membrane qui n'est pas faite pour recevoir vraiment pénétration, même genre avec vagin. Et membrane et vagin. Donc, ça vient fragiliser le corps et faire pénétration anale. Donc, risque là, c'est 3 à 4 fois plus que en pénétration dans vagin. Ça veut dire que yon moun gen 3 à 4 fois plus de risque pour infecter soit au VIH ou un autre MST dans anus que dans vagin. Dans vagin. OK. OK. D'accord. Donc c'est ça. Donc il y a un monde qui t'a et désiré faire sexe anal, donc il encore mieux pour utiliser un préservatif. Bien. Donc avant que nous passions avec question sans intermédiaire, dernière question nous lancer. Et non, pour m'ajouter pour question sexe anal là, yo te kon considéré sexe anal là comme une perversion scientifiquement. Maintenant, ce n'est plus une perversion. Okay. Ils n'ont pas considéré comme perversion encore. Ils ont juste considéré comme un acte sexuel. Okay. Un comportement sexuel. Dernièrement, on a dit que c'est très mal. Ils ont supposé mettre un parent en prison. Un parent qui prend un petit lit, qui teste pour voir est-ce qu'il y a un petit garçon déjà. Soit on mène à l'hôpital pour faire et docteur tester ou bien ils ont même testé si on a avec d'autres lit. Ou tu as même relé ça à un vol incestueux. Oui. En fait, son un viol incestueux parce que il vraiment correspond à la définition viol. Un viol,
je vais essayer de traduire en créole parce que c'est en français, il y a dans la tête moi. Yon viol, c'est toute pénétration, quel que soit type de pénétration, qu'on fait sous yon moun, dans quel que soit orifice dans le monde, sans consentement. Sans consentement, vous l'avez dit, sous contrainte, sous menace ou bien sous manipulation. Mm-hmm. Donc, si vous utilisez contrainte, vous utilisez menace, vous utilisez manipulation pour faire une pénétration, quel que soit, soit vous pénétrez, il y a deux et tout, il y a un bout de banane, il y a un pénis. On parle de œufs aussi. Il y a un œufs, il y a tout bagaille, ok, qu'on pénétrer dans quel que soit orifice dans le corps du monde, sans que le monde n'a pas été. C'est un viol. On parle qui prend plaisir. Dans petite fille t'est sorti, petite fille a rentré, qu'on y a li mettel coucher pour tatel parce que relé ça tater. Oui, tate. Pour tatel pour voir s'il sort dans petit garçon ou pas, son parent qui t'a supposé aller en prison. Donc yon ti moun qui pote yon ti moun comme ça t'a supposé porter plainte pour parent ça. Moi dit que li incestueux parce que li fait par yon moun qui dans ligne parenté ti moun. Mm-hmm. Donc on pourrait parler de SS, les que c'est un maman, les son papa, les son tonton, tonton, yeah. Oui, et les son un cousin. Et puis viol là encore plus dégradant et plus pénible, les que son monde qui a ascendance sous. Par exemple, on pourrait que peine plus grave si son professeur l'école qui viole un petit monde. Mm-hmm. Peine plus grave si son monde que on babysitter par mm-hmm. exemple. Donc, il y a des gens qui ont une sorte d'emprise psychologique sur les gens qui font ça. Ou après, que peine plus grave. Donc, ça, c'est un bagage extrêmement grave que les parents ne doivent pas faire du tout, du tout. Mieux vaut qu'on éduque les gens sexuellement au lieu que vous faire ça. Ou imaginons un petit monde qui n'a aucune éducation sexuelle ou pas parler de sexualité ou pas parler de qui risque qui vient de la sexualité. Et généralement, nous restons sous risque. Moi songe qu'on moi recevoir un parent qui menait mon petit moun 16 ans, il dit que petit là trop chaud, il pas comprendre pour ça petit moun là chaud comme ça, il dit pour le psychologue ensemble avec elle, ah, et puis pendant nous nos séances comme ça, et puis petit là dit maman m'pi bon passo oui. Maman dit comment? Oui m'pi bon passo. Parce que dans l'âge l'autre dans l'âge moi même moi t'ai tant 1 an parce qu'on fait ma 15 ans. Li menen ti moun nan pase ti moun nan trop chaud, ti moun nan trop enlilé, ti moun nan gen 16 ans, li pral gen 17 ans. Ti moun nan di ke li pi bon pase parce que li même li te gen tan fèl pendant li te gen 15 ans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pa la ti moun nan éduqué, orienté, à l'aise avec elle, a beaucoup plus efficace que si mettre le coucher sur une table sous dos et puis tater pour voir s'il sort dans rapport sexuel. Au contraire, la vinn dou. Ah, mamie, papi, mon petit jeune homme qui parle avec moi, Emile, est-ce que je suis prêt? Bon, ok, est-ce que vous pensez au prêt? Non, je ne suis pas prêt, mais qui est-ce qui est prêt? Ok, je vais me faire rentrer dans l'université, je vais faire. Eh bien, ok, chérie, d'accord. Là, beaucoup plus efficace comme ça. Yeah. Donc, merci à Dr. Juste Afor. Place maintenant aux questions sans intermédiaire. Bonsoir docteur. Bonsoir madame Ruth. Bonsoir Robinson. Moi j'ai deux questions pour vous docteur. Première lancée. Tout à l'heure vous dit les grands dans une famille et religieuse. Mhm. Madame mais qu'on qui ça qui jugement vous fait sur une fille ou bien un garçon qui a bail cap masturber tête lui. Et puis deuxième là pour expliquer j'ai mon relé là bad matinal, ça dit les mon lever matin, li wè li tout bandia, là même compte qui ça qui cause lui. Merci Robinson. OK. Bonsoir. Justement, merci monsieur docteur pour suggestion là. Donc question là c'est que est-ce que si que une jeune fille a fait sexe anal avec un jeune partenaire qui a sida, est-ce que l'a pas attrapé sida? Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Et question maintenant pour le docteur, c'est concernant et soit italien, on dit que pour même si une fille entre dans une relation, même qu'elle pas fait pénétration pour lui, pour même même que c'est petit bœuf, je dis il fait pour lui, pour même il pas vierge. Comment qu'a expliquer ça? Merci. Bon, vous parlez de me songer. Oui, première question, c'est bonne matinale. C'est comme ça que tu dis, par contre, c'est comme ça que tu dis vraiment dans le langage, non? C'est bonne matinale. En fait, nous utilisons ça pour nous évaluer des 10 érections, 10 érections de Y, donc les problèmes d'érection que les gens ont gagné. Par exemple, les gens qui viennent qui dit que il n'y a pas de bande pour faire des choses. Première question que nous posons, est-ce que le lever dans le matin, il y a que le bandit pour déterminer est-ce que son problème vasculaire qui fait que il pas joindre le bandit. Mais ça crive, c'est que l'on fait 8 heures de temps dormi, qu'on fait 8 heures de temps au repos, mais le système continue de travailler. Ça crive, c'est que dans le ça, urine emmagasinée dans la vessie, qui vient créer une sorte de contraction. Et contraction, ça a, il va gagner influence sur le système qui va faire que vous pouvez avoir une sensation en bâtiment douce, ok, et puis qui va créer mener érection. Donc, son phénomène normal que lié. Et nous-mêmes, comme sexologues, c'est un moyen pour nous évaluer si un monde a une difficulté d'érection. Un monde qui levé dans matin ou bien qui gont temps l'est levé dans matin ou bien l'est levé la nuit, il levé pipi ou bien il pas ouais bon ça. Donc ça son monde qui gagne petit problème. Vraiment pas changer deuxième volet, c'était quoi encore? Bon, question masturbation. En fait, masturbation son phénomène, on ka di son phénomène normal parce que dès pour fait ou chercher explorer corps ou apprendre qu'on j'ai ou apprendre qu'on nez ou apprendre qu'on bouche ou apprendre qu'on oreille ou apprendre qu'on doigt ou apprendre qu'on bras de la même manière ou apprendre qu'on pénis. OK, maintenant dans apprentissage qu'on est pénis ou on va voir que le bon l'autre sensation la donne. OK, et puis arrivé dans l'âge dans jouer la donne, ça qu'arrive qu'on ouais qu'on prend plaisir la donne, et puis c'est ça qui peut mener question masturbation. Par contre, quel côté dans la Bible côté lui interdit masturbation? D'ailleurs, ce mot n'existait pas, mot ça pas existé. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que nous tellement gain des jugements par rapport à propre corps, pas nous tellement ouais corps nous de manière négative, nous tellement ouais la chair. Il dit la chair est faible. Bien que après il dit l'esprit est bien disposé. Donc il fait lien entre la chair et l'esprit. Donc c'est ça qui peut créer masturbation. Et moi même dans clinique moi prescris masturbation. OK. Moi quand prescris masturbation, après mon en fait masturbation, il y a l'autre gens. Donc l'apprentissage, le reconditionnement masturbatoire aider dans question éjaculation précoce. Bien. Donc, si vous regardez première émission, nous faisons ensemble avec le docteur Gustave Paul, il parlait et sur masturbation pour dire qu'il n'y a aucun problème que masturbation bail. Bien. Après, un deuxième monde qui t'a posé question. Question sexe anal là. Est-ce qu'il y a une possibilité? Ah ben oui. D'ailleurs, risque la plus. Moi, je dis que risque pour infecter OVIH et dans l'autre, et prendre l'autre MST et l'on fait bagaille dans l'anus ou dans derrière, on dit en bon créole, l'on fait bagaille dans derrière, risque là li 3 à 4 fois plus que si c'était dans vagin. Oui, risque là très haut. D'ailleurs, il y aurait les sexes anal dans domaine VIH, il y aurait les sexes anal, yon comportement à haut risque. Yeah, exactement. Donc son comportement à haut risque que lié.
Et dernière question, c'est pour qui ça ou dit que si un monde qui sans pénétration, c'est embrasser, c'est attouchement, c'est petit bœuf qui fait pour lui ou considérer monde ça comme un monde qui pas vierge. En fait, moi te dis ça c'est par rapport à une définition large de comportement sexuel. Un comportement sexuel sont actions qu'on pose dans objectif pour prendre plaisir et pour bailler plaisir. Ah ben oui, c'est ça qu'on comportement sexuel. Donc un monde qui a fré doit dans oreilles ou son comportement sexuel qui automatiquement que l'objectif là c'est bon plaisir et prendre plaisir. OK? Donc si nous rentrons dans la définition large, même là on fait petit bœuf, on prend plaisir là-dedans, on quand même jouir là-dedans, on quand même gain orgasme là-dedans. Donc son rapport sexuel. Si nous disons monde qui vierge, son monde qui pas connait rapport sexuel, sous prend petit bœuf ou jouir ou atteindre orgasme ou bite, ou fait tout ça qui existe, c'est seule pénétration ou pas fait. Moi-même, je ne considère pas comme un monde vierge. Tu es initié à la sexualité. Je ne voulais pas nous restreindre. La sexualité n'est pas restreinte à la question de génitalité, elle n'est pas restreinte à coït, à faire des bagailles ou à une pénétration vaginale. Ce n'est pas ça la sexualité. En fait, pénétration, c'est une petite classe de bagailles que représente la sexualité. Mais nous-mêmes, le fait que nous définissons sexualité par rapport à génitalité à seulement, c'est ça qui pourrait venir causer des problèmes, de c'est qui pourrait causer des troubles par rapport à la sexualité, parce que la sexualité, c'est d'abord psychologique, mental. Et si tu as posé une question, peut-être que ça par contre fait dans l'émission, hein? Qui organe sexuel qui prend plus espace dans le corps? Donc, organe sexuel qui est plus volumineux. Hein? Les seins? Non. Les fesses? Non. C'est quoi? C'est la peau. Ah, OK. En fait, la peau, c'est un organe sexuel. D'ailleurs, tout ça en fait de sensuel, de sexuel. C'est ça. Qui quitte cadre et mental là, donc l'utilisation du corps pour la sexualité. Ça passe par la peau. Bien. Donc, je pense que nous satisfaits et merci parce que nous t'es participé dans la rubrique Questions sans intermédiaire. Maintenant, merci. La dernière question pour tout invité, nous, c'est qui message, qui conseil, ou avouez, ben, jeune nous, je dis, hein, qui surtout pas une bonne éducation sexuelle, qui est censée laguer pour continuer parce que nous n'avons pas fait éducation sexuelle vis-à-vis de nous autres parler de toute image, exposition aujourd'hui, qui sont capables de comme conseil pour orienter. En fait, moi, un bagage, moi, mes jeunes, c'est apprendre, chercher qu'on est. C'est vrai que Internet là envahit de mauvais bagages, mais essayez de jouer un monde qui a aidé à trier dans Internet là qui ça qui bon, qui ça qui pas bon. Apprendre, chercher comprendre. Pas fourrer tête tout dans rien pour qu'on ca expliquer. C'est ça le problème de l'éducation sexuelle. Dès pour on pas ca expliquer un bagaille ou pas ca gagner recul par rapport à lui ou pas ca réfléchir sous lui, c'est juste tant d'autant de monde fait. Ou envie fait tout, c'est juste wow well. Ou fait tout si on pose aux questions sous lui ou pas ca répondre pour qu'on rentre là-dedans. Pourquoi rentrer dans un rien qu'on pas qu'à expliquer, pourquoi rentrer dans un rien pour qu'on finisse bien comprendre. Donc chercher comprendre, chercher et apprendre avant qu'on rentre dans bagaille. Yo parle de fait bagaille. OK. Mais tout ton pourquoi qu'à répondre qui ça fait bagaille là, qui risque gain là-dedans, qui importance gain là-dedans, qui ça moi même m'a joindre là-dedans, qui importance que l'a gagné dans la vie. Est-ce que moi capable supporter ou bien prendre responsabilité par rapport à qui conséquences que ça a gagné. Tout ton pour qu'on répondre à la question, ça a font poser. Merci, merci à Dr. Justafor. Merci. Merci. Donc, c'est toujours un immense plaisir pour ensemble avec nous sur le plateau millénial. Encore merci parce que tu as dit oui. Ça a pris un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. J'aime te dire là,
pendant reste année, c'est cadeau n'a bay nan millennial. Nous gagnons deux moun ensemble avec nous là. Jodi a nous gagnons deux couples, deux premiers moun yo mais qui sa lié jodi a pou joine cadeau. Yo pral cité nom président d'Haïti, que le mouri, que le vivant. Yo pa gen droit pou yo répéter un président qui dit déjà, yo pa gen droit pou yo réfléchir. N'importe moun qui prend temps pour réfléchir, li perdu. S'il dit Martel, il dit Aristide, Privert, Erta, c'est comme ça pour lié et puis moun qui gagne un li gen cadeau et puis l'autre moun nan éliminé. Nous prêt. De samedi, pa gen répéter, pa gen prend temps. Après toi, n'a pas commencé. Si vous dites Privert, OK, d'accord. 3 4 Martelly Aristide Jovenel Privert Aubarin Préval Perdu parce que mais je ne savais pas que Obama c'était président d'Haïti, hein. Donc nous gagnons perdant et puis on gagnant que m'a demandé nous applaudir s'il vous plaît. Deuxième coup. Merci, nous caler, revra le bon nous cadeau. Deux pas de problème. Deux autres moun yo avancé. Deux derniers moun yo. Nous sommes trois héros qui fait moins dit président Haïti, quitte li mouri, quitte li vivant, n'a pas dit mais Obama pas président Haïti. Nous donné pas gain réflexion, pas gain répétition. D'accord, nous prêt public moyen? 1 2 go. Christophe Jovenel Sylvain Martelly Jacques Première Ilisco Soulouk. Mais il y a un bagaille, il dit et Jacques Premier, il dit Christophe, mais moun sa qui sa ote. Président ou bien roi? Est-ce que m'te dit roi? Alors j'ai gagné. Parmi les listes des présidents, ils sont classés. Bien. Est-ce que nous d'accord pour nous bailler? Oui. Nous d'accord? Non. Ça. Oui. Si gagne, mon... oui. Non. Bien. Non. Je vais, voilà. Je vais suivre mon public. Je vais suivre mon public parce que moun sa yo soit le garder notre tout président ou après. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a demandé l'autre monde qui gagne envie de joindre nous pour nous capable terminer l'émission. Merci beaucoup. Robinson. Nous allons terminer ensemble avec deux gagnants, nous, mais il faut nous gagner le gagnant des gagnants. Monsieur, est-ce que nous sommes prêts? Ouais. Prêts? Go! Faustin. Aristide. Martelly. Dessalines. Jovenel. Boyer. Soulouk. Christophe. Sylvain. Privert. Hirard. Prival. Sylvain. Flavie Libolite. Parce que lui gagne, répète, si on la donne. Merci. Merci beaucoup. Et le gagnant des gagnants. Non, on a toujours joué un cadeau. On a toujours joué un cadeau, mais bon, gagnant des gagnants. Merci avec vous-même qui t'a regardé nous sous Télépacifique 54. Pas oublier, vous pouvez suivre nous sur YouTube, Instagram, Facebook, tout. C'est comme ça, on a toujours joué un millénial. On a dit bye bye. À la prochaine. Hein? Merci. Oh,